Un point sur les travaux aujourd'hui, puisque la rue Pargaud vient d'être ouverte à la circulation avec le bas de la rue de la République et la fermeture de la rue Gambetta et les travaux qui attaquent sur la partie haute de la rue. Donc nous attaquons cette fois-ci la troisième phase de travaux qui est l'angle de la rue République et de la rue Gambetta. Donc c'est un point stratégique forcément pour que tous les Albertvillois connaissent, puisque tout le monde est passé rue République ou rue Gambetta à un moment donné. Et la particularité, c'est qu'ici on voit bien apparaître les anciens réseaux d'eau pluviale qui sont encerclés de béton, puisque au début du siècle on ne savait pas gérer les monceaux en charge et la pression dans les tuyaux, donc on mettait du béton autour. Alors que vous le verrez plus tard sur d'autres réseaux, aujourd'hui on est dans d'autres matériaux qui permettent ces échanges de pression. Et puis on voit aussi un peu plus loin le collecteur des eaux de la rue Gambetta, qui est identique à ceux de la rue de la République, qui va être aussi changé sur la rue République dans un premier temps. Donc ici vous voyez l'ancien réseau d'eau pluviale qui date au moins des années 50-60, qui est complètement pourri et rouillé et qui va être changé dans le cadre des travaux. Ici le nouveau réseau de gaz qui a dû être dévoyé par rapport à l'implantation de la future galerie. Et là, on peut deviner sur les pierres maçonnées là-bas, l'ancien collecteur, l'ancien canal de l'Allier qui collectait à la fois les eaux pluviales et les eaux des ruisseaux environnants. Donc l'objet de ces travaux, c'est de remettre tout ça à neuf et de remettre tout ça dans une galerie accessible et couverte sous la rue de la République. Des visites sont organisées par la ville d'Albertville tous les 15 jours, le samedi pour permettre aux visiteurs et aux Albertvillois de découvrir le chantier sur son côté historique et sur son côté technique tout au long de l'année et de la durée des travaux. Thank you.